de charbonnière, c'est Jean Emery, mais que tout le monde connaissait sous Jeannot. Jeannot, c'était un classe 3, qui à sa retraite, et même peut-être avant, je crois, il avait récupéré ses vieilles charbonnières sous la roche, je pense que c'était vers le pas de la Motte, qui les a installées ici et qui a fait du charbon de bois pendant au moins une dizaine d'années, jusqu'en 2004, puisqu'il est décédé en 2004, accidentellement. Et alors, il en faisait quoi de son charbon de bois? Ça devenait quoi? Alors, charbon de bois, il le mettait, une fois qu'il était fabriqué, il le mettait dans un appareil pour mettre en sac. Et c'est ça qu'il les vendait à des particuliers qui souhaitaient à Piégros ou dans d'autres communes, mais principalement dans des campings.